Bien, ici je vais sélectionner les tomates, touche F, je fais un petit zoom arrière avec la roulette de la souris, je repositionne un peu avec le bouton droit, avec la roulette de la souris que j'enfonce, je repositionne. Voilà, l'idée c'est d'avoir un objet à l'avant-plan et d'autres objets à l'arrière-plan. On va créer un flou. Donc le flou, c'est en allant sur la caméra, dans les propriétés. Vous avez tout en bas, mise au point. Vous l'enclenchez. Voilà. Vous avez le niveau de flou. Vous avez avec ceci la possibilité de dire que tiens, c'est la tomate ici qui va être nette et l'arrière-plan est flou. Ou, et là je dois cliquer dessus, c'est l'arrière-plan là qui est net et la tomate à l'avant-plan qui est flou, etc. Et le niveau de flou est un peu fort ici, et il faut y aller mollo quand même pour que ce soit réaliste. Voilà, donc on a la possibilité de faire la mise au point.